Marc est impliqué à tous les niveaux. Il est passionné, il est dévoué. La cause syndicaliste, pour lui, est très importante. Une des grandes raisons pour lesquelles j'appuie la candidature de Marc, c'est lorsqu'on pense à un profil d'un grand syndicaliste, quelqu'un qui fait une vraie différence dans ses écoles au niveau local. On parle de quelqu'un qui est dévoué, on parle d'intégrité, on parle de quelqu'un qui pense au bien collectif, puis pas seulement qu'à soi-même. Bien, une des premières personnes qui m'est venue à l'idée, c'était Marc. Marc est exceptionnel face à son engagement, car peu importe s'il n'y a pas grand-gens là, lui va être là, que ce soit pour une activité sociale, une manifestation, une sortie de golf. Il est toujours prêt à participer. C'est une personne, autant au niveau de sa profession enseignante que syndicaliste, il est là pour les autres. Étant délégué syndical, le rôle m'enrichit de façon à être capable de pouvoir défendre les droits des membres, m'assurer que la convention collective est respectée. Il n'a pas peur de partager son opinion, de poser les questions courageuses, de prendre des décisions parfois moins voulues, mais importantes puis nécessaires. Comme personne, délégué syndical, ça m'a apporté l'idée de ne pas être seulement enseignant, mais pouvoir aussi aider les autres. C'est un modèle idéal pour tous nos nouveaux membres, nos délégués débutants. Lui prend le temps d'aller voir des gens sur tous les niveaux pour leur dire « Voici ce que l'AFO représente pour nous, voici ce que l'AFO représente pour vous. » Puis il y a une façon de pouvoir le communiquer qui fait en sorte que les gens disent « Oui, le syndicaliste, l'AFO, c'est important, non seulement pour nous comme enseignants, mais aussi pour la francophonie. » C'est un peu comme une police d'assurance. T'as beau payer, t'as beau chialer que ça coûte cher, mais quand tu en as besoin, t'es content qu'elle est là. Donc l'AFO, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui prend le temps de transmettre ses connaissances, puis il est en train de préparer aussi la prochaine génération de jeunes délégués qui vont, on espère, vont vouloir s'impliquer davantage au sein de notre syndicat. Ce prix, pour moi, c'est une grande honneur. J'ai toujours été fier d'être délégué syndical et puis d'être là pour la défense des membres.